Gare de l'Est, 8h18, train Paris-Nancy. Ce que j'aime, les grands bâtiments avec leur lumière jaune dispersée à l'intérieur, le défilement des immeubles, la ville qu'on surplombe et qui nous surplombe à son tour, les entrepôts ouverts avec leurs camions, les boulangeries dorées près des feux rouges, les enseignes lumineuses vues de loin. Dans le train, vous regardez autour de vous, chacun livré à lui-même, comme dans une chambre. Déjà quelques-uns dorment, d'autres ont des journaux, leurs magazines. Et celui-ci, à quoi il pense? Son amoureuse, la tête penchée sur son épaule. Mais toujours un voyageur dont le regard, par la fenêtre, suit le défilement du monde. Ceux qui dorment encore. Et les bureaux, les chambres, les rideaux. Ceux qu'on surprend chez eux, indifférents au train. On se croirait presque indiscret, trop curieux. Mesdames, messieurs, bonjour. La SNCF et son personnel d'accompagnement vous souhaite la bienvenue à bord de ce train à destination de Strasbourg. Nous desservions les gares d'Épernay, Châlons-en-Champagne, Vitry-François, Bar-le-Duc, Commercy, Toul, Nancy, Lunéville, Saint-Paul, Saverne. Arrivée aux gares de Strasbourg, 12h47. Le train, c'est comme un chantier d'archéologue. Un fragment arbitraire du monde vu en coupe. Depuis la saignée toute droite des rails. Les premières fois, à peine si je faisais attention. Et puis, à force de faire le voyage, chaque semaine, on s'habitue, on reconnaît. Vu par la vitre, c'est un peu la ville enjouée, la vie en miniature. La banlieue, son délitement. Ceux qui vivent de la ville, mais loin d'elle, leur silhouette sur un quai. Les tours, enfoncés droit dans la terre. Les changements du bruit quand on passe sous un pont de fer et la grande centrale thermique qui fournit toutes ces lumières. Le train part à la même heure, mais c'est chaque fois plus ou moins de jour. Parfois, on est tellement surpris qu'on se demande si le train n'a pas changé d'itinéraire depuis la dernière fois. L'idée est venue comme ça, progressivement, d'un carnet de voyage qui en garderait les traces, puisque c'est notre pays et notre mémoire. On construit les viaducs du nouveau TGV. Il enjambera le vieux sans plus rien regarder. On gagnera du temps, certainement. Mais que perdrons-nous de cette mémoire? Sitôt le matin, dans l'hiver, on a de la France comme une vue clandestine. Jamais personne dehors dans les rues. Hameau. Le petit carnet noir dans lequel j'avais commencé à noter chaque semaine, pour chaque heure du train, les détails aperçus. La maison au volet bleu,
le bistrot, l'outsider, les meubles jaunes, et les cinq pavillons jumeaux, l'écluse ou le pont à bascule, l'usine à sucre en poudre. Tout d'un coup devenait comme le récit d'un voyage en pays inconnu. Un pays très lointain, dont on ne saurait rien. L'usine verte, on l'appelle comme ça parce qu'on n'a jamais su ce qui s'y fabrique. C'est moderne, des voitures sur le parking, des camions qui entrent et sortent, de la fumée dans le ciel, d'étranges appareils. On la voit chaque voyage, elle défile, compacte, mystérieuse. On laisse défiler le temps. Est-ce qu'on s'est endormi? La magie du train, c'est qu'on ne peut rien retenir. Tout ce qu'on aperçoit disparaît dans l'instant même. Un monde fixe, qui attendra sans bouger le prochain passage. Marcel Duchamp. Faut-il protester contre la paresse des rails entre deux passages des trains? La route partout a remplacé le rail. C'est pour cela que ce monde paraît si vide. Le train avait repris les vieux chemins de l'eau. Mais si on laisse la place aux champs inondables, c'est pour protéger la grande ville qui vous abrite. Et le sable qu'on extrait des bords de la Marne s'en ira aussi dans ces élévations de béton. On a la chance de savoir à nouveau les couleurs du monde, les vieilles couleurs des saisons, des reflets du ciel et de l'eau. On réapprend un peu de notre place sur la terre. Soudain, tout contre la vitre, brûlé. On sort du rêve vague où on est, un peu effrayé. Mais non, c'est qu'ici, à Épernay, on répare les trains de la banlieue. La grande ville toujours nous poursuit. Dernière seconde, et arrêt. Soudain, à nouveau les gens.
On reprend pied d'un coup dans le présent. Il y a les supermarchés, les banques, les pavillons neufs, les rocades. Mais ce monde-là que les gens rejoignent est partout pareil. Pour quelques heures, vous en débarrasse du présent. Plutôt, oui, pour le rêve où on est, le nom des vieilles capitales en mosaïque, et c'est le monde tout entier qui s'offre. Vous emmènera-t-on à Londres, Limoges, ou plutôt Sydney ou Alexandrie ? Bizarre ce qui se passe quand le ralenti du train semble démultiplier l'espace. L'horizon au fond reste immobile. Au premier plan, un wagon rouge. Devant le bardage d'un mur, puis la vieille maison derrière, et on dirait que chaque plan glisse à vitesse différente. Est-ce cela qui fascine l'œil, qui passe par saccade à tout ce qu'il reconnaît ? Même si tout cela, barrière, butoir, quai, quand cela s'approche du train, on le dirait dessiné par un même architecte. Mesdames, Messieurs, l'entrée de la gare de Châlons-en-Champagne. Ici Châlons-sur-Marne, où on arrive à 10h, s'appelle maintenant Châlons-en-Champagne. L'ancien nom est resté sur les vieux postes d'aiguillage. Un arbre. On est en soi-même immobile, on cueille les pensées qui viennent, parce qu'on les laisse venir. Après tout, on est protégé, et même les pires soucis ne pourront pas s'aggraver d'ici l'arrivée. Pour cela qu'elle fait rêver une fraction de seconde, la petite maison verte derrière son étang creusé au bulldozer, avec l'île déserte au milieu pour la sieste des dimanches. Une fois, à cause de travaux, le train nous avait arrêtés juste en face le campement des Gitans. Alors après, on l'attend, on guette. Du linge qui sèche cette semaine, ou pas de linge qui sèche. La voix du contrôleur annonce Vitry-le-François. On regarde. Il y a l'ombre de la vieille cathédrale, dans les immeubles, le grand tapis des morts. Quand une ville surgit, qu'on voyage par le train et qu'il ralentit, ce qui passe par la tête à chaque fenêtre close qu'on fixe, c'est qu'on peut apercevoir des gens vivre. C'est juste une illusion, une vague sensation du regard. Le train s'arrête, remplace la ville habitée par les vitres brisées de bâtiments qui ne servent plus. On dirait que ce qu'on aperçoit n'a pas de fin ni de durée.
Sur les quais de gare, jamais personne qui soit là pour rester. Sauf cette vieille dame. Elle voulait aller à Châlons, avait vu que le train s'arrêtait à 13h30, mais non, c'est seulement le dimanche. Le train est à 16h. La salle d'attente est fermée, parce que personne n'utilise ici, à Vitry-le-François, de salle d'attente. Elle attendra sur le quai, la vieille dame. À Vitry-le-François, les allées horizontales du pays des morts correspondent à la géométrie verticale des immeubles. Mais ceux qui vivent là s'en préoccupent-ils du train, des tombes? Oui, ça fait 30 ans que j'habite là. La Vitry, il y a 30 ans, on avait l'usine de boîte à fromage, on avait l'usine de Nouveau-Pan, on avait l'usine Monsieur Tardivier, on avait chez Kempf, on avait... Enfin, disons qu'on était beaucoup, beaucoup d'usines, plus qu'aujourd'hui. 1962, à l'âge de 14 ans, je suis rentré au pâte à fromage. On faisait des cajots, on faisait... Disons que c'était une usine qui démarrait du tronc d'arbre, du gros arbre qu'on amenait, qui se terminait au pâte à fromage. Voilà. Enfin, l'ambiance était... On était tous des ouvriers, quoi. On était tous... tous mal à main dans la main, hein. Je les vois passer tous les jours, hein. J'y fais même plus attention, hein. De Vitry, oui, j'étais jusqu'à Milan, par le train. Et si le mystère de l'imagination, c'était de soulever les toits, de pousser librement à chaque étage les portes? C'est midi, le repas prêt pour les enfants, le linge à repasser qui attend, heures comptées parce qu'on devra repartir au travail. Un autre étage. J'ai passé une bonne enfance ici et pour moi, rien au monde, pour rien au monde, je partirai d'ici. Et ça fait 37 ans que je suis là et j'y resterai, je pense. Je m'en suis jamais occupé du train. Pas plus facile ni pire qu'ailleurs, la vie à Vitry-le-François. Ailleurs aussi, de la fenêtre, on verra les usines qui existaient et n'existent plus. On vous parlera de comment c'était, vous enfant, quand vous jouiez ici dans la cour, quand il y avait plus de commerce et moins de voitures, si c'est ici que le hasard vous a fait naître et vivre. La grande usine de plastique continue de nourrir la ville, mais celle qui fabrique des éviers cherche un repreneur. Il est moins cher de faire venir des éviers de Thaïlande. Pense-t-on à ce qui s'en induit pour les écoles, les commerces et la vie à Vitry-le-François, quand les usines enferment des rues vides ?
train, lui, continue de passer au même endroit. Témoigne de la santé du monde, comme de ses misères. À Pargny-sur-Sault, on extrait toujours l'argile pour la brique et les tuiles. Le train, soudain, toutes les maisons, les hangars et les fermes, rouges. Toutes pareilles, les petites gares, maintenant inutiles, fermées. Pourtant, au premier étage, dans l'appartement trop grand, des rideaux. Lui, il était cheminot, comme son père, et aux voix. Et elle, nous dit-elle, toute sa vie, elle l'a passée ici aussi, dans l'usine de pierre à briquet. Existe-t-il encore en France une usine de pierre à briquet ? Le carnet de voyage, si on en a eu le souhait, c'est qu'on avait aussi l'impression d'un voyage dans le temps, comme dans ces contes, où par une nuit de brouillard, une ville enfouie réapparaît. Le simple aperçu d'un nom en bleu, d'une rue, d'une église, on retrouve la toute petite ville comme on ne croyait même plus qu'il en existe. On a changé de rivière. On est passé de la Marne à la Meuse. Elles aussi, on les connaît tout au long de la voie. Ces maisons identiques, trois étages, avec des chambres pour les roulants du train. Mais Revigny est une ville si petite. À quoi sert-elle, la maison étroite ? Elle est toujours habitée, mais par qui ? Jamais de fenêtre ouverte. Pas une silhouette pour paraître aux vitres. À chaque voyage, on cherche à percer le mystère. Le train file, on n'a jamais vu personne.
La campagne ici est encore pleine des fantômes de l'heure. Des monuments, des cimetières au bord des bois. Revigny, c'était la base arrière de la bataille de Verdun. Pour cela que la gare a bien trop d'aiguillages, pour l'usage qu'aujourd'hui on en fait. Le train d'Apollinaire, crains qu'un jour un train ne t'émeuve plus. Un fragment minuscule du monde, des fenêtres closes, quelques boutiques silencieuses, des portes d'entrée sombres avec boîte aux lettres. Pas une minute pourtant sans que quelqu'un ait sa passerelle, dans la rue sciée en deux, près de l'ancienne publicité pour les bières de Lorraine, entre la rue Bras de Fer et la haute rue à Bar-le-Duc. Pourquoi les gens qui descendent du train nous semblent toujours vus de dos? Pourquoi personne ne descend du train sans un bagage à main? Bref d'architecte, de fer et de briques, cette cabane suspendue sous les verrières du premier âge. Une fois par an, enfant, nous visitions avec mes parents une vieille cousine à la ville. À l'arrière de sa petite maison, un jardin en longueur et les rails du train. Qui ne porte pas un souvenir de cet ordre? Le monde n'est pas si mystère donne l'air. C'est le train qui vous le fait croire, que l'immeuble en arrière de la voie semble se tourner à mesure que vous partez. S'il voulait vous suivre. Son père était marinier. Lui, il habite l'écluse numéro 37. L'héritage, il appelle cela l'esprit du canal. Le
canal, il l'entretient depuis l'écluse numéro 18 jusqu'à l'écluse numéro 70. Qui continuera après lui? Mesdames, messieurs, le train va entrer en gare de Copernic. Commercy, Tréfil Europe, des toits juxtaposés comme un musée du bâtiment industriel. Mais derrière les murs, les machines les plus modernes. D'ici sont sorties les fines armatures d'acier de la pyramide du Louvre. Puis d'autres murs, les jardins enclos comme un labyrinthe de pierre, un jeu de cache-cache pour grands enfants. Parmi ces signes qui, une fraction de seconde au hasard des voyages, mobilisent soudain l'œil et passent, une de ces excroissances sans âge, dotée de meurtrières. On ne sait pas ce que c'est, menaçant un peu. Cela passe tellement vite, on a du mal à les localiser. Et puis, à ce carrefour entre deux grands silos, on l'aperçoit. La voilà. C'était fait en 40 pour que les gars ils puissent se mettre dedans en cas de bombardement. Parce qu'à l'Hérouville, ça bombardait sec, attention. Hein. Ben, mon père, il était mitraillé là au 279-500, au-dessus là, oui. Il a perdu un compagnon. Et, c'était par les Allemands. Ici, ils étaient 18 encore là. C'est bien, c'est tranquille, et puis j'aime la nature, et puis je suis du village. Tous mes ancêtres sont enterrés à Doremy-au-Bois. Et bien, c'est ma grand-mère, ma tante et mon grand-père. Mon père, il a connu ma mère ici au café-restaurant de la gare, là. Voilà. Parlez à ces contrôleurs ou à ces jeunes gens qui poussent le chariot de sandwich et boissons. Demandez-leur ce qu'ils ont remarqué du bord du train. Eux qui font cela trois fois par semaine, dormant à Strasbourg, revenant par Dijon. Ils vous diront tous, l'usine à ciment, la cimenterie. Pourtant, ce qu'on fabrique ici, ce n'est pas du ciment, mais de la chaux.
à la vitesse du train, exactement 25 secondes de traversée après les deux châteaux d'eau jumeaux. Et soudain, levé jusqu'au ciel, tout un monde blanc vous enserre. Moi, je n'en savais rien. La chaux sert à l'affinage des aciers. Mais au remblai du nouveau TGV, l'eau donnera son élasticité. Et dans le papier des livres, un ajout de chaux réduit la granulosité. C'est la chaux encore qu'on utilise dans les cheminées d'usine pour dépolluer ce qu'elles rejettent. Bien de quoi les occuper, à Sorcy, les 160 hommes et 4 femmes, dans leur monde tout en blanc. Tunnel, et puis tunnel. Entre les deux, à peine 600 mètres, et pourtant le bureau éclairé, l'homme tout seul. Pour lever et baisser les vieux leviages, il faut bien quelqu'un en chair et en os. Tout ce qu'on aperçoit, même en une fraction de seconde, on a l'impression qu'on le connaît d'avance. Une petite rue toute droite, le village derrière, le bistrot vert qui fait l'angle, avec le mot « hôtel » comme une invite aux touristes. En dernier, devant la vitrine, il y avait une mobilette posée, toujours la même. En face, sur la grande maison, avant qu'elle soit repeinte, on lisait le mot « dancing ». On s'étonnait du face-à-face des deux bâtiments si proches, l'hôtel, le dancing. La grand-mère, c'était la patronne à cette époque-là. Moi et mon frère, on venait de l'école, on travaillait à la maison. On faisait la vaisselle, on faisait la cave, enfin, tout ce que la grand-mère disait qu'il fallait qu'on fasse, quoi. Bon, ma grand-mère, c'était Madame Lorrain, et c'était toujours que tous les gens, ils allaient au café de terre, on va chez Lorrain. Il n'y avait pas... Encore à l'heure actuelle, même, je suis sûr que les gens disent, on va chez Lorrain. On ne dit pas, on va à la gare. Je sais que tout le week-end, un jour, il y avait bal, et c'était phénoménal. Hein. C'était, comment vous dire, boulot, mais enfin, les deux cafés étaient ouverts, il y avait cinéma qui fonctionnait en même temps. Après, il fallait s'occuper du bal. Ma tante et mon oncle tenaient le dancing.
Puis alors, quand il y avait le cinéma, bon, bah, on travaillait, les jours de fête, des trucs comme ça, qu'on ne connaissait pas. La Lorraine, c'est le pays des hauts fourneaux, des fonderies, un monde au travail, dont on verrait la paume des mains par les flammes, la fumée. Pont-à-Mousson fabrique les plaques d'égout qui s'en iront sur les trottoirs du pays tout entier. On s'en est aperçu par hasard qu'après les miradors de la prison pour très longue peine d'Écrouves, juste avant Toul, la boîte de nuit L'Évasion surgit à son tour. Le vieux cimetière juif s'insère entre deux jardins de pavillons. Il est fermé. À qui faudrait-il en demander la clé, qui pourrait nous raconter l'histoire de ces familles? Potager, fauteuil en plastique et porte de cuisine. Ce qu'on aime de ce pays et qu'on voudrait garder. La simple présence des choses. La possibilité de vivre là, d'être homme ou femme avec des écoles, une colline, un jardin, une rue à traverser et un magasin où on vous salue. Par l'arrière, qui ne se préoccupe pas qu'on le regarde. Rejoint la Moselle, ses écluses grandes et la petite cabine de pompage avec sa porte de fer et son échelle qui tombe droit dans l'eau. C'est l'Yverdun. Histoire. Il a été marin au Havre, il aurait préféré la mer, il doit reprendre la petite conserverie familiale en Lorraine. L'usine grandit.
Ils sont 400, puis 500, puis 600 à y travailler. Il va réaliser son rêve de marin en construisant avec étrave une usine à hublots et coursives, une usine qui sera son grand bateau. Mais on l'a déménagé un beau jour en Chine, par le train, toute l'usine. Quand on passait il y a 3 ans, on apercevait quelques silhouettes en blanc dans la salle éclairée en triangle. Maintenant, les locaux sont à vendre. Que reste-t-il à Liverdun ? Des wagons de fruits qui ont débarqué là pour les confitures, les compotes, entre l'eau et les rails. D'après les dires de mon père, il y a de 600 personnes, donc en l'espace de 20 ans ouais, ou 30 ans, c'est passé donc de 600 à 20 personnes. Beaucoup d'étrangers, portugais, espagnols, puis beaucoup de saisonniers. Beaucoup de saisonniers. Et ça faisait vraiment une montagne de fruits, une montagne de fruits. Des pommes suivant la saison, les cerises ou les quetches. Ça arrivait vraiment, puis ça montait sur des tapis roulants, puis hop, c'était parti pour l'usine. J'ai un gros souvenir de ça, étant gamin, aller chercher notre sac de poire derrière l'usine. À Château-Thierry, Westphalia Separator produit des treilleuses électriques et Mélita des filtres à café, à GK des produits adhésifs. À Vitry-le-François, Nobel Plastique, Thermoflex, Valourec Précision et Tirage. À Bar-le-Duc, Gédimat, tubes en béton, Smurfit, carton ondulé. Mais que fait-on derrière les sigles plus obscurs? De la Comaflex, de Mecamark, de Munch Industries. Champignol. Ce que dit un carrefour quand se reforme la ville. Ce que dit le restaurant Bardot entre canal et voie rapide de l'ancienne vie de quartier. La bière ici, c'est son pays. Dans les grandes citernes des brasseries de Champignol, maintenant propriété d'un groupe écossais, on n'en fabrique pas moins de 40 des marques de bière. On est dans l'ombre de la ville qui grandit, se refait. Bientôt va absorber le train tout entier. Ce que disent, dans ces franges de la ville, ces jardins ouvriers, hérissé de grillages, serré entre le canal et le train. À qui appartient ici la terre, sinon à qui s'en saisit et la travaille? Il reste toujours, dans les terrasses suspendues de tôles ondulées, un peu d'utopie.
Chaque jeudi depuis des années, je fais ce voyage. Chaque jeudi, à Épernay, à Vitry-le-François, à Fougue ou Sorcy, je guette ce qu'il y a de changé. Tant qu'il n'y aura pas le nouveau TGV, je continuerai. Si nous refaisions les mêmes images aujourd'hui ou le mois prochain, que verrions-nous de nouveau? Maintenant, quand j'aperçois Pagny, Fougue ou Hernecourt défiler devant la vitre, je sais le nom de celui qui, derrière sa fenêtre, peut-être me regarde passer. Et pas moins de mystère pour autant. La ville vous reprend. On mettra 1h30 pour traverser ce qu'on fait aujourd'hui en 3 heures. On rêvera 1h30 de moins.